Bonjour à tous, on se retrouve sur Everybody's Gone to the Rapture. C'était une exclu PlayStation 4, mais bon, quand on est patient hein, sur PC, au final, on a à peu près tous les jeux qui sortent. Et donc, on a ce petit jeu qui sort enfin sur PC. Voilà, je l'attendais pas mal parce que c'est vrai qu'il a reçu de bonnes critiques. Donc, moi, je vais me taire quand il y aura des cinématiques, hein, s'il y en a. Il devrait y en avoir parce que c'est un jeu qui est quand même très porté sur un. Même si c'est un monde ouvert et où on va à notre rythme, et il est quand même très porté sur toute une histoire d'une après fin du monde, en quelque sorte. Si, mais j'ai pas trop voulu me Ici le docteur Catherine Collins. J'ignore si quelqu'un entendra un jour ce message. Tout est fini. Reste plus que moi. Oui, alors ça va pas être gay, donc évidemment comme jeu, hein, parce que voilà, hein, c'est pas une histoire drôle. Mais après, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai cherché à ne pas me faire spoil. Parce que voilà, c'est le jeu auquel je vais pas mal jouer ces temps-ci avec Dark Souls, auquel je joue beaucoup en ce moment. Et bon, dans un tout autre style, hein, celui-là, parce que c'est un jeu PlayStation, et moi, c'est vrai que les jeux purs PlayStation, souvent, ils sont souvent très... il n'y a pas beaucoup de gameplay, en quelque sorte. Du genre, quel je pense, Heavy Rain, je sais pas, ben là, le dernier, là, The Order. Bon, c'est des jeux où le gameplay est clairement pas au premier rang. Et c'est vrai que bon, quand. Ah, mais la cinématique est finie, ok. Donc on est sur PC, on a mis les graphismes à fond, on verra si ça tourne correctement, ça devrait aller, hein, parce qu'à la base c'est un jeu PlayStation. On va voir, je sais pas si on a beaucoup de liberté, hein, si c'est un monde ouvert. Bon, c'est joli, faut lui reconnaître ça. Est-ce qu'il y a pas mal d'interactions, etc. Je ne sais pas. Hein. Voilà, bah ça, c'est bien pensé. Hein. Truc. Attends. Ok. Je vais continuer à émettre le plus longtemps possible. Si je ne me trompe pas, vous devriez détecter le signal à l'autre bout de la vallée. Oui. L'événement. Il a laissé des marques. You are here. On est ici. Ok. Nous ne le comprenons pas encore, mais nous allons continuer à travailler pour tenter d'y arriver. Utilisez les marques pour trouver ce que vous cherchez. Les réponses. Utilisez les marques. Là. Alors, je sais pas ce que c'est, les marques. Les réponses sont dans la lumière. Évidemment, faut bien écouter à ce qu'on nous dit, parce que... Est-ce qu'il n'y a pas d'interaction? Je vais continuer à aimer. Pardon, tais-toi. D'accord, je regardais s'il y avait des interactions. Ah, voilà, avec le vieux PC. Alors ça, c'est du PC hein. Bien ancien. Ok, c'est un code qui nous donne. Un 6, un 5, un 4, un 5, 2, 5. Ouais, c'est ça. 1, 6, 1, 4. Ouais, bon, on verra s'il faut y revenir pour l'écouter, parce que là, ma mémoire est terrible. Ça va pas servir à grand chose. J'ai pas mon souvenir. Alors, on peut pas courir pour l'instant. J'ai la manette qui a un peu vibré, je sais pas trop pourquoi. Un téléphone qui sonne. On se rapproche du téléphone qui sonne. Oui. Ah, il est là. Hop. Écoutez. Ceci est une annonce spéciale du Comité Général des Mesures d'Urgence. En raison de circonstances exceptionnelles, les stations de radio et les chaînes de télévision ont été placées sous le contrôle du CGMU, comme le prévoit la loi de 1982 sur la préparation aux situations de crise. Laissez vos postes de radio et de télévision allumés en permanence. Restez chez vous et évitez tout contact humain. N'essayez pas de téléphoner en dehors de votre région. Ne cédez pas à la panique. Soyez calme et civilisé.
Ouais. Restez à l'écoute pour plus d'informations. D'accord, monsieur. Pas très encourageant quand même ce message, mais bon, on va faire avec. Bon, à mon avis, on va devoir prendre l'escalier là, hein. Mais bon, après, moi j'aime bien fouiller tout. Même si pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose en fait à. Sur quoi interagir. Une lumière là-bas. Moi, je me suis pas du tout fait spoil, hein. J'ai voulu. Un peu comme Dark Souls, j'ai pas regardé très peu de gameplay, trailer. Pour. Ah, bah t'as regardé, il nous croit vraiment sur PlayStation. C'est une manette Play? Non, non. J'ai une manette Xbox One dans la main, mais bon. Alors, ils nous disent d'appuyer sur. D'accord. Ok, on bouge la lumière. Alors, j'imagine que c'est pour ouvrir la porte. Hein. Ah, j'imagine. Ouais, ça doit être. Alors. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je la bouge, comme ils disent, mais bon. Ah, c'est du gameplay PlayStation là, c'est exactement ça. Un PlayStation récent, hein, parce que moi qui ai pas mal joué, hein, quand j'étais petit à la PlayStation 1, c'était pas ça, c'était beaucoup plus. Hein. Alors, mais. Je sais pas trop ce qu'il faut faire, j'essaie de mettre le stick un peu dans tous les sens, je sais pas s'il y a un truc particulier à faire. C'est pas très explicatif. Ouais, je sais pas, ça fait genre des dessins quand on le bouge. On a comme si ça avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait se faire et puis au final rien ne se fait. Et on va être bloqué. Voilà, le jeu est trop dur. Je vais retourner sur Dark Souls, j'y arriverai mieux. Non mais. Si vous comprenez ou j'ai raté quelque chose et on m'a dit à un moment ce qu'il fallait faire. J'ai rien raté là, hein. Oui. Bon, mais on fait des allers-retours, c'est bien. Ah, il y a eu. Il faut peut-être chercher un. On n'est pas loin de trouver, j'ai l'impression. C'est pas du tout clair. Sérieusement, vous comprenez? Après, vous voyez pas ce que je fais avec la. Sur la manette, mais en fait, je fais ce que. Avec le stick, je le bouge dans tous les sens. Ouais. D'accord. J'essaie d'aller. J'ai l'impression que. Non, en fait, on ne fait rien. Tout simplement. Ils disent de le mettre juste sur le côté, mais j'ai l'impression qu'il faut aussi le mettre. Enfin, on a l'impression qu'il se passe plus de choses quand on le met. Ah, ben voilà. Je l'ai amené vers le bas. Ah non, j'ai cru qu'il se passait quelque chose. Mais non. Oui, non. Des trucs, ça prend tout l'écran des fois, on se dit qu'on n'est pas loin d'y arriver. Mais non. Bon. D'accord. Mais on a réussi, ils veulent pas qu'on le bouge très vite, du genre à la manière des jeux Naruto là, non. J'ai pas l'impression que c'est ça donc. On a l'impression que ça va se faire là, et puis non. Bon, bah on va être bloqué là, hein. Voilà, je crois que. Merci à vous d'avoir regardé. Non, c'est bizarre, hein. Vous. J'assure que je suis perdu là. Hein. Il y a quelque chose que je fais mal. Ça, j'ai bien compris. Mais vous pourriez être plus clair quand même ou expliquer ce qui se passe. Non, je comprends pas. En fait. Alors, je veux bien, c'est bien de laisser libre le joueur. Maintenant, bon. On sait même pas ce qu'on doit faire. Oui, ça fait des petits dessins, c'est bien. Hein. S'il est content, ça fait des dessins dans l'air. Voilà. Et c'est ce jeu qui a été autant adoubé. Par les critiques. Bon, ben voilà, on est bloqué, hein.
Je crois bien qu'on est bloqué. Je vais pas me casser la manette avec un... juste pour ça. Au secours. Bon, on va pas rester 3 heures sur ça. Je vais... pire, je ferai une coupure si je trouve un jour. Non, parce que là, je crois pas avoir raté quoi que ce soit. Hein. Ils nous ont rien indiqué. On tombe sur cette lumière. Attendez, on va regarder un peu. Commande. Manette. Donc, gérer les événements étranges, c'est ça qu'on fait. Explorer un coin, se dépêcher. Si se dépêcher, ça correspond à courir. J'ai pas remarqué qu'on pouvait courir. Et avancer. Toujours surveiller. D'accord. C'est tout à fait clair. Alors on va essayer. Non, enfin on va essayer. J'essaie toujours la même chose parce que il y a que là, hein, de toute façon. Alors on a l'impression des fois que c'est pas loin de se passer, mais rien du tout. Allez. Non, bon. Je fais des allers-retours, hein, comme ils me disent depuis le début, avec la manette, mais... voilà. Alors elle vibre, la manette. Et voilà, ok. J'ai rien fait de plus, hein. Je vous assure, je le laisserai en entier. Les deux seules personnes sur le site pour ce roulement. Je dis simplement que parce si que le c'est n'importe quoi, j'ai fait exactement la même chose. Il sera impossible d'entrer ou de sortir de l'observatoire. C'est pour ça qu'on a des générateurs de secours. Bon sang, mais pourquoi est-ce qu'on parlemente là-dessus? Ne venez pas demander mon aide si vous vous retrouvez enfermé. Si on se retrouve enfermé, je ne vois pas comment on viendra vous demander de l'aide. On se charge de réfléchir, et vous, vous vous chargez de balayer les feuilles et de changer les ampoules, hein. Ça vous va? Allez, maintenant partez. Ok. Petit con. Petit con. Bah, j'ai mis tellement de temps que c'est la nuit maintenant. Que tu dois t'en prendre à tout le monde. Est-ce qu'on peut en parler? Non, Stéphane, j'en ai assez. Je veux juste partir d'ici et ce soir, c'est notre meilleure chance. Prépare l'installation optique, je vais à la tour 6. Oui. Il parle encore, hein? Mais oui, elle le sait. Oui, je le sais. T'es. Allez, commençons. Allez, on y va. C'est bon, c'est... on peut y aller. Oula. Oula, la lumière est... ah, ah bah ça. On revient le jour. Ok. Bon, on aura mis du temps, mais au moins, vous voyez... mon Dieu, et à mon avis, on va en avoir beaucoup, parce que j'ai l'impression que c'est... c'est la partie la plus importante du gameplay. Ça me rassure pas, parce que... ça a l'air approximatif, le truc, en fait. Donc je suis pas rassuré. Oh là là, il y a encore une truc, j'aime pas ça. D'accord. On a fait tout ça, on n'aurait pas pu passer, sérieusement. Non, c'est trop dur à enjamber. Ouais ouais, voilà, attends. Enjamber une non mais n'importe quoi. Alors là, quand même franchement. ouais. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose, faut que je l'attrape ou j'en sais rien. Après c'est joli, hein, graphiquement, ça a son charme, les effets de lumière, etc. Mais bon, nous on va où? On va par où? Je dirais qu'à mon avis il faut suivre la lumière là qui s'est barrée et se dépêcher. Donc vous voyez, moi je peux pas le faire courir, hein. Clairement il veut pas courir. Alors le truc ne vient nous montrer ça. Après, on peut dire qu'ils ont vraiment l'air... l'ambiance est chouette. De quarantaine, très au sérieux. Si Madame Button est partie par là avant qu'il ferme la route, on ne la retrouvera sans doute jamais. En tout cas, pas avant que tout soit revenu à la norme. C'est tout de même très étrange, enfin. On est dans la vallée de l'automne, bon sang. On a besoin d'être aussi dur. Ça fait un qui est arrivé à fermer toutes les routes. Ça, il a arrêté de parler. Ah oui, oui. Et donc en fait, ils ont mis le village en quarantaine, hein, en quelque sorte.
On peut pas courir, hein. Je n'y peux rien, hein, si ça va lentement, mais on fera avec. De toute façon, regardez, hein, ils nous disent pas plus de 30 km/h. Bon, là, on n'est pas à 30, on est à 4, mais bon. Everton Road. Ok, la route d'Everton, 30 km/h. Vous inquiétez pas, je respecte. Ça a son charme, hein. Ça a son charme graphiquement, c'est chouette. Ah, on est peut-être en Angleterre, vu la cabine rouge, moi ça me fait penser évidemment à l'Angleterre. Ou en plus les noms, Yoton. Ah, bah, la cabine qui sonne, on va aller répondre. Ring ring. Enfin, si on peut. Qui est là? Allô? Kate, si tu entends ça, il faut que tu coupes l'installation optique. Elle utilise l'observatoire comme intermédiaire pour nous atteindre et a déjà commencé à se répandre au-delà de la vallée. Kate, on ne peut pas prendre ce risque. Elle gagne en puissance. D'accord. Je vais appeler Clive et le forcer à ordonner une frappe aérienne. Bah, carrément. Pas de solution. J'espère que ça marchera. Allô, vous m'entendez? On a besoin d'aide. Quitte à l'appareil. Bon sang, raccrochez. Là, c'est tout, quand même. N'utilisez pas le téléphone. Elle est dans les téléphones. D'accord, c'est cette lumière un peu qui... Bip. Voilà, voilà. Très rassurant. Attention aux biches. Conduire lentement. Et conduire prudemment. Carefully. On arrive à Yoton, district de Everton. D'accord. Il n'y a rien à ramasser là. Bon. On y va. On avance. Prudemment, comme ils nous disent de faire, même si on ne conduit pas. Ah, de nouveau une lumière. Si je rebug sur une lumière, je pense qu'il sera temps de s'arrêter, d'arrêter la vidéo. Mais c'était histoire de montrer un peu la version PC, parce qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça, que c'est sorti sur PC. Tout le monde, voilà, on en a entendu parler pas mal quand il est arrivé sur console. Ah, de nouveau quelque chose à faire. Et ça nous permettra, j'imagine, d'écouter une conversation. Si on arrive à faire refaire ce truc, donc voyons voir ce qu'il y a à faire. Ok, alors là, j'ai juste fait garder appuyé vers la droite et ça s'est fait tout seul. Pas si dur envers toi-même. Alors, je sais pas ce qu'il avait le premier, il non, était buggé, j'en sais rien. Oh, il suffit de regarder les chiffres, de resserrer les données et de recommencer. Ton idée principale est bonne, ce n'est qu'une petite erreur de calcul. Ne me fais pas la leçon. Je ne te fais pas la leçon. Vous êtes un homme brillant, Dr. Appleton. C'est joli le ciel. Écoute. C'est chouette, hein. Je suis là, d'accord. On est ensemble, toi et moi. Le grand alignement, c'est demain. Il est pour toi. C'est toi qui as saisi cette opportunité et qui as fait les calculs. Même s'il ne le voit pas. Je suis fier de toi. C'est censé me faire me sentir mieux? Stephen. Vois le bon côté des choses. Ici, tu es un héros. Le retour du fils prodigue. Je la laisse parler, j'écoute. S'il faut, hein, c'est la base. Ton honneur, d'ailleurs. Et rigole autant que tu veux. Je suis sûr que le conseil paroissial a déjà une équipe qui s'y affaire. Et voilà. Bon. Nous, on se continue de suivre la lumière. Hein. Même si j'ai. Enfin, j'en sais rien si c'est quelque chose de bien ou pas. C'est joli, hein. Là, ça fait vraiment très village anglais, vous savez. Hein. C'est super beau. Là, par contre, l'ambiance est géniale. Faut le reconnaître. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Très, très chouette. Après, je pense que je crois pas que le jeu soit très long, donc je vais pas trop en montrer. Je trouve ça un peu bête si on en montre trop. C'est à découvrir par soi-même. Après, c'était histoire de vous faire une petite idée. Au niveau du PC, bah, c'est plutôt bien optimisé. Vous voyez, tout à fond avec un PC moyen, bah, ça tourne tout à fait correctement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de 60 FPS. C'est du confort, je dirais que. Même à 30 FPS, ce genre de jeu, ça suffit.
Donc voilà. Moi, je. Ça a l'air chouette. Alors, je le ferai en entier, hein, clairement. Parce que c'est... L'histoire, je pense, a l'air sympa. Elle démarre plutôt sympa. Il y a une ambiance vraiment particulière. Hein. Tout est. C'est la fin du monde, un peu. Mais ça fait pas. Enfin, c'est pas la Fallout, quoi. Enfin, vous voyez très bien. C'est pas du tout le même style. Hein. Mais l'ambiance est assez géniale. Et le côté British, so British, est très très chouette. J'aime beaucoup, là. En entrant dans ce village. Voilà. Le premier passage avec la première lumière m'a énervé. Je le laisserai en entier. Hein, maintenant, c'est un peu trop tard pour vous dire. N'hésitez pas à passer le petit moment où je galère. Parce que je ne sais pas si j'ai pas galéré bien 5 minutes dessus. En tout cas, j'avais l'impression que ça durait 3 ans. Mais voilà. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Pas sur ce jeu. Hein, je n'en ferai pas d'autres. Et puis voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao.